Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir le son numéro 18 qui portera sur l'insertion d'une fonte ou police externe. Le but de cette vidéo va être de modifier le titre Poisson pour tous avec une police plus stylée et plus cool. Donc ci-dessous on voit le Poisson pour tous, donc celui de la leçon numéro 17, on n'avait pas encore modifié le titre. Et juste à côté vous avez une autre version que je me suis amusé à faire avec une police différente. Il existe différentes manières d'insérer une police externe. Rappelez-vous, lors de la leçon numéro 11, nous avions vu l'explication sur la propriété fonte en CSS. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'une fonte, je vous conseille vivement d'aller voir cette leçon avant de continuer. Donc comme évoqué à l'instant, il existe différentes manières d'insérer des polices ou fontes externes. Dans notre cas, nous allons utiliser la technique d'insertion de fonte par le biais de Google Fonts. Donc je vous glisse l'adresse afin que vous puissiez savoir de quoi je parle. Il existe différents types d'extensions de fonte où l'on pourrait télécharger celles-ci et les configurer. Mais j'ai trouvé plus simple pour l'instant de vous montrer comment récupérer une fonte qui nous intéresse puis insérer son code source. Malgré tout, pour les plus curieux, il existe différentes sortes de fontes qui sont TTF, EOT, WOFF et SVG. Pour ceux qui se posent la question pourquoi a-t-on 4 sortes de fontes, c'est tout simplement dû à la compatibilité de certains navigateurs qui ne savent pas interpréter le type de fonte. Mais regardons cela dans ce blind test. Nous voici donc dans ce blind test. Comme je vous disais, on retrouve notre site et comme vous pouvez voir, le titre Poisson pour tous a été amélioré. Donc on va regarder en cliquant sur le bouton exemple, voir ce qu'il en est. Donc je vous ai fait une liaison d'une fonte intégrée dans le HTML puis le CSS. Et vous voyez un autre exemple, une liaison d'une fonte directement intégrée dans le CSS. Mais regardons un petit peu comment j'ai fait. En fin de compte, j'étais sur le site Google Fonts, tout simplement. Donc vous tapez tout simplement fonte.google.com. Et ici, vous voyez, vous accédez à différentes fontes. Donc moi, ce que j'ai fait, alors là, je vous laisse revenir à la leçon numéro 11 qui portait sur la propriété fonte en CSS, qui vous explique ce que c'est qu'une sérif, une sans-sérif et une monospace. Le handwriting, c'est tout simplement écriture à la main et display. Si on regarde un petit peu ce que c'est des écritures un petit peu, on va dire, fantasy. Voyez. Donc imaginons, vous voulez prendre n'importe quelle... on s'amuse à prendre n'importe quelle, comment dire, fonte. Hein. On veut celle-là. On clique tout simplement sur le plus. Alors, voyez, vous pouvez modifier, si vous voulez, la police, si ça vous intéresse. Donc on clique sur le plus. Automatiquement, celle-ci, vous voyez, est insérée dans le petit menu. Vous cliquez... sur famille sélectionnée, il vous dit, ben, vous avez la monotone, et vous avez deux façons de faire. Vous avez la première façon qui est embarquée. Donc ici, il suffira de récupérer ce lien. Par exemple, si on prend index.html, on aura ici, vous voyez, le lien. Donc là, c'est une merienda que j'avais mis au niveau de ma fonte. Je vous laisserai mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Moi, je vous laisserai ce que j'ai mis en place, mais à vous de changer, c'est tout simplement votre choix. Donc ça, c'est la première manière. Donc vous mettez ça au niveau de votre fichier HTML et... vous spécifiez cela au niveau de votre CSS. Donc regardez, si on voit dans le CSS, on a bien ici, donc admettons une font family, alors elle est ici, Merienda, cursive, bah, c'est la deuxième police au cas où si Merienda n'est pas reconnue, avec un font sign, une couleur rouge, on aligne au centre, et on met ça en majuscule. Tout ça, vous connaissez. Très bien. Maintenant, si on prend la deuxième manière, donc on va sur import, vous voyez, on clique dessus, et en fin de compte, il suffit tout simplement d'intégrer dans le CSS, vous voyez, c'est par exemple cette ligne-là. Là, cette fois-ci, vous ne touchez plus du tout au HTML, mais vous touchez qu'au CSS. Alors, ce qui est assez intéressant, à la différence de la première manière de faire, c'est que, comme vous avez pu remarquer, à chaque fois, il va falloir faire un copier-coller de chaque lien dans chaque page HTML, si par hasard, votre titre, se répète. Alors là aussi, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, on fait du HTML, c'est très redondant, c'est très, on répète tout le temps les mêmes choses. Quand j'attaquerai le cours sur le PHP, vous verrez que de suite, on pourra faire qu'une seule page, par exemple pour le menu, qu'une seule page pour le titre et ainsi de suite, qui sera automatiquement répétée, ce qui nous fera gagner un temps considérable. C'est ce que font de toute façon tous les professionnels. Mais revenons à nos moutons. Donc comme je vous disais ici, on repart dans le CSS et on a bien ici, vous voyez, un import avec la famille Yellowtail. Et ici, j'ai simplement défini, pareil, une font size de M et, comme d'habitude, on a cursive au cas où si Yellowtail ne serait pas reconnu. Le gros intérêt de passer par là, c'est tout simplement que vous n'avez pas à récupérer, comme je vous disais tout à l'heure, les fontes en TTF, en WOFF, en EOF ou en SVG. Là, vous êtes sûr que comme vous avez un lien direct vers Internet, bah, vous avez une fonte normalement reconnue.
Alors, l'inconvénient, c'est que si vous travaillez hors connexion Internet, effectivement, il serait préférable de faire ça d'une autre manière. Moi, j'ai préféré faire la chose plus facilement en vous faisant un lien directement vers Google Fonts. Donc, comme d'habitude, vous vous retrouvez sur le site langueportous.free.fr en cliquant sur le bouton cours. Vous accédez à la leçon numéro 18 où vous retrouverez tout le code source, HTML, CSS et ainsi de suite. Donc, comme vous avez pu voir maintenant, notre petit poisson pour tous est, comment dire, est personnalisé. Donc là, comme je vous disais, à vous de changer, faire ce que vous voulez. C'est le but, c'est de vous expliquer comment insérer une fonte externe. La prochaine leçon portera sur la balise A. Alors la balise A, on l'a vu précédemment, mais malgré tout, on va essayer de voir un peu précisément tout ce qu'elle fait, cette balise A. Et vous voyez, par exemple, ici, on va modifier un peu nos menus afin que ce soit plus sympathique. Quand on passe la souris, ben, il va se passer quelque chose, et ainsi de suite. Mais avant, il faut qu'on comprenne bien comment fonctionne cette balise A, surtout qu'il y a une petite différence entre le HTML4 et HTML5 au niveau de la balise A. Voilà, écoutez, donc c'était la chaîne de Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye!